Le théâtre d'improvisation, je l'ai découvert vraiment par hasard. C'était il y a 3 ans, par une amie qui m'a fait découvrir un match, ce qu'on appelle un match d'improvisation, qui est un format particulier où on est un milieu entre le culturel et le sportif, entre le du théâtre pur et un domaine qui est le hockey. Et cette rencontre qui est faite pour créer des histoires ensemble m'a fait comme un déclic et m'a donné cette passion. Et donc je me suis lancé un peu dans l'aventure petit à petit et cette passion s'est agrandie au point de devenir une grosse partie de ma vie. Ça, au fur et à mesure, a influencé énormément mon affect et ma vision de voir l'architecture, puisque le théâtre apporte bien au-delà que juste de jouer. On apprend énormément de codes, au-delà aussi de la bienveillance et de l'écoute qu'on peut avoir, mais ça apprend sur la gestion d'une histoire et de quelque chose qu'on raconte à plusieurs, d'un projet qui part de zéro. Et sur lesquels on va essayer ensemble, à plusieurs esprits, essayer de générer une histoire qui ait du sens. Et la liaison que j'ai avec l'architecture a fait que j'ai été influencé par le théâtre pour développer des projets dans cette même philosophie, à savoir comment créer à plusieurs, en prenant en compte tous les avis des acteurs autour du projet, comment intégrer toutes les données pour essayer de fédérer ensemble une histoire commune et qui ait du sens. Ma démarche, par exemple, c'est d'essayer de porter toujours vers le plus, qui est une démarche d'improvisation, d'aller toujours vers le oui, pour dire que sur une solution, une proposition, c'est d'essayer d'apporter, au lieu d'essayer de voir ce qui ne marche pas, c'est plutôt de chercher ce qui va marcher. Donc le théâtre, a permis d'avoir cette philosophie d'écoute, de désamorcer des gens qui pouvaient être négatifs face à un projet et de les intégrer très vite dans l'histoire. Voilà un peu l'influence que ça m'apporte. Alors il y a effectivement le projet qui m'avait tenu à cœur, c'était la maison de quartier de Bayonne. La demande, c'était de réhabiliter pour faire une petite médiathèque, maison de quartier, un truc en gros où il se passe plein de choses pour aller avec la vie du quartier. Et j'aime beaucoup ce projet parce que c'est le premier projet où j'ai vraiment appliqué ma méthode de théâtre pour établir le projet. Donc j'ai essayé au maximum de faire le projet comme si c'était une improvisation et on devait créer une histoire. Donc de regarder qu'est-ce qui se racontait, quel était le but des usages, quelles étaient les attentes, et de voir quelle histoire on pourrait construire dans le futur, parce que je ne voulais pas définir un bâtiment terminé. L'idée, c'était de rester sur l'emblème et la symbolique du bâtiment, donc on est resté là-dessus, et on a juste dit, voilà, il faut un grand percement, parce qu'il faut une grande fenêtre à cet endroit-là, il faut une grande ouverture là, parce que les gens vont s'ouvrir sur cet espace-là. On a vraiment mis que l'accent sur l'usage. On a poussé le vice même, où on a établi un système de kit, où on allait mettre des ateliers participatifs pour que les habitants puissent, avec nous, faire des ateliers pour construire l'extension possible de la maison. Parce qu'il y avait les parties chauffées, mais on avait des parties de stockage, des trucs d'atelier, des choses comme ça non chauffées. Donc ça pouvait être quelque chose qui pouvait être en dehors du bâtiment, dans une sorte de cagibi, quoi. Donc ce qu'on avait fait, on avait fait un système de kit qui allait être sur une grande partie livré, dans le principe pour répondre au programme, mais qui pouvait être après facilement utilisé par les habitants. Donc l'idée, c'était de faire participer les habitants à la méthode pour construire les outils, un peu comme une notice IKEA, un petit peu, et de voir comment ils allaient pouvoir moduler leur espace. Donc j'essayais de vraiment, comme une histoire d'improvisation, de prendre quelque chose qui est une proposition d'une personne, et au lieu de la refuser, de faire ce qu'on appelle en théâtre d'improvisation du oui et. Et donc de dire, oui d'ailleurs, on pourrait faire ça.
Et c'est ainsi de suite qu'on a essayé de construire une histoire, de dire eh oui, on pourrait faire ça, oui, d'ailleurs, on pourrait faire un plus grand espace, et oui, d'ailleurs, cet espace, il pourrait être couvert, et oui, d'ailleurs, cet espace couvert pourrait permettre aux gens de s'abriter quand ils font des fêtes, et oui, d'ailleurs, pendant des fêtes, ils pourront faire un mariage, et ouais, d'ailleurs, le grand banquet pourrait s'étendre, puisque la halle pourrait s'étendre. Ah ouais, d'ailleurs, du coup, faisons un truc qui s'étende et faisons un truc en kit. Et c'est comme ça que est venue l'idée. On pouvait voir ça fourmiller de plein d'idées. Et même si on mettait un bâtiment figé, on sentait bien que le bâtiment allait vivre après, qu'il allait prendre son ampleur. Donc on ne voulait pas quelque chose de défini. On rend vivant le bâtiment, quoi. Au-delà des images, parce que c'est vrai que les images... on fait des images, nous, pour nos projets, des images 3D. C'est vrai que les personnages sont un peu... alors on met des poussettes, on met des jolis couples pour rendre vivant. Mais c'est vrai que rendre vivant réellement le lieu, parce que là on montre un bâtiment avec des gens fixes, on pourrait, et comme notre démarche c'est l'espace vivant, on pourrait ne pas montrer le bâtiment mais montrer comment il vit. Tu montres que il y a un petit, parce que nous il y avait un petit côté bar, donc tu fais comme ça et tu dis tu prends ta bière, tu dis bah c'est à moi une bière machin, puis tu crées la vie du bâtiment quoi en virtuel. Et t'as l'autre qui fait salut Gérard, c'est à moi, il pose, voilà, clac, l'autre il fait hop merci, il prend, après il dit salut Sylvie, t'as fini de mettre ah bah les invités vont arriver. Et puis là on voit des gens qui dansent. Et là on sent qu'ils se déplacent vers l'autre pièce. Et après on fait un autre focus, un peu comme dans un film où il y a une caméra qui montre sur un autre plan. Parce qu'il y avait un espace aussi créatif. Donc là on voit des gens, des enfants qui posent un objet, puis un autre comme ça. Et qui reposent. Et qui s'amusent. Ou alors qui prennent. Les trucs, ils modèlent la terre, on les voit faire une sculpture parce que c'est pour montrer que cet atelier marche, pour montrer comment est l'espace. On dit que voilà, par exemple, il peut y avoir des placards sur lesquels on peut prendre des trucs et retailler parfaitement les matières pour faire l'atelier, quoi. T'as un projet. On a un projet d'école, il y a un lieu, et on raconte une histoire. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est du spectacle vivant. Et je finirai même par, et je lis là-dessus, Augusto Boal, qui fait un parfait lien entre le théâtre, puisqu'il a créé le théâtre de l'opprimé, qui est de faire parler les habitants pour définir le projet de leur ville. Donc comme quoi, tout part du théâtre.